Comment se comporter avec un conjoint ou une conjointe qui est jaloux à en mourir? La première des choses, une personne qui est jalouse à en mourir est la première victime. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire que les vraies personnes qui sont, sur le plan maladif, vraiment très jalouses, sont victimes et ce n'est pas un plaisir, ce n'est pas une source de plaisir. Ça, c'est la première des choses. Quand une personne est vraiment jalouse, c'est que vous n'avez pas rempli son besoin humain. On a tous des besoins identitaires, des besoins humains très forts et différents. Alors, il y en a à peu près 6, mais je dirais que quand une personne est jalouse, c'est qu'on la place souvent dans l'insécurité. Qu'est-ce qui va la placer dans l'insécurité? Et d'en discuter. Et numéro 3, c'est de mettre aussi des freins pour dire à l'autre, tu n'as pas besoin de me montrer à quel point tu m'aimes comme ça en étant jaloux, pour que je t'aime et pour que tu existes pour moi. Très bien. Merci beaucoup, mon cher. Merci, Sylvain. À bientôt.